Docteur Beauvais, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TRH. Bonjour Serginho, c'est un plaisir pour moi et pour participer à l'émission, qui sont une émission que nous suivons de temps en temps, l'homme guetta. Parfait. Petite présentation de Docteur Beauvais. Et Docteur Beauvais, soit haïtien, natif natal, qui fait études de médecine en Haïti et qui partit aux États-Unis, a fait spécialité en partie Johns Hopkins University et qui tout allait Cleveland Clinic et qui fait sous spécialité en infertilité la Tel Aviv University, l'hôpital Tel Aviv. C'était toujours vous pour travailler dans la question infertilité. Et à la vérité, oui, c'était rêve moi pendant longtemps travailler dans l'infertilité, mais forme du tout que me font partie de la carrière moi comme spécialiste en santé publique, côté comme des fonds maîtrise en santé publique, mais infertilité a c'était bah qui était obsédé. Parce que pendant que j'étais là-bas et pendant que m'a gardé chiffre en Haïti indiquette, parce que on est long coup de la planification familiale où est exactement qui ça qui a passé de bien et d'anormal la population. Je me rends compte que il y a un volume de monde en Haïti bien que on dit que nous avons une surpopulation, mais il y a un volume de monde en Haïti qui pas qu'à gain petit. Le volume. Même parler de volume, même pour exemple, Junior nous dit que la population haïtienne qui est supposée capable de faire tout le monde, c'est-à-dire, même pour exemple, Famio, il représente environ, c'est-à-dire, ça qui gagne entre 15 et 41 et 42 ans, il représente environ 4 600 000 personnes. Yeah. 4 600 000 personnes, ça fait un peu le monde. Dernier données, oui, dernier données, Institut haïtien de statistiques. Okay. Mais, là-dedans, il y a 12 à 15% qui n'ont pas de monde. Donc, imaginez-vous, 12 à 15%, ça veut dire que ça. Ça veut dire que plus qu'un demi-million de monde qui en Haïti n'est pas capable de gagner monde sans un minimum d'assistance médicale. Et d'entrée de jeu, moi, je vais dire, peut-être que vous avez posé une question comme un journaliste, Brian Averti. Pour qui ça, moi-même, m'adresse à monde qui n'ont pas de gagner monde. Parce que fait petit là, fait partie de planification familiale. Planification familiale dit que ça, ensemble de techniques et de méthodes qui permettent au monde de gagner un monde et tout le monde qui a supporté. Ça veut dire que ça gagne trop de ou bien contraceptif, ou bien pilule, ou bien capote, ou bien PQ pour faire bloquer quantité de monde. Mais ça n'a pas gagné du tout, il faut aider au fait. Monde. Et ça, c'est une justice que nous gommons en pile. Avec un pile combat pour nous mettre un institut avancé en Haïti pour aider toute coupe ça qui t'a souffert depuis longtemps qui parle de Timon en Haïti. Ça fait là où l'on retourne en Haïti, c'est le retour nous fait Chita là? Oui, et ça dépend de temps pour nous construire Chita. Nous ne pas faire tout de suite après pour qui ça parce que faut monter une équipe de travail. Un seul monde n'a pas qu'à faire une institution. Un seul monde qui a l'aide une institution, on crée Chita. Et ça fait 10 ans déjà, mais pour que Chita existe, je suis obligé de prendre 100 moi, pour me choisir des partenaires clés, des médecins qui sont sous ça, qui sont dynamiques, qui sont intelligents, qui ont la même vision, même folie, même rêve avec moi. C'est ça, ça, c'est ça, bah, la TI, pour permettre que Chita ait existé. Ça dépend combien de temps vous mettez sur un campé tout bon? Et on dit 3 ans. On dit 3 ans. Parce que. Et il y a des consultations internationales pour nous faire. Et nous sommes obligés de faire des consultations avec des partenaires de Duke University. Et nous sommes obligés de faire des consultations avec des partenaires de Cleveland Clinic, qui sont des bons amis à moi. Et puis tout, et à la fin, nous sommes même fait des consultations avec des groupes qui ont évolué en Inde, qui ont travaillé dans le même domaine avec nous. Et parce que nous n'avons pas de temps. Pour faire erreur, surtout là, pour le milieu de Haïti, ou gain temps pour réussir. Parce que Haïti, actuellement, quel que soit son monde à entreprendre, il faut que le produit qu'on bâille à la population, il faut que c'est le meilleur des produits. Parfait. Donc, c'est ça que nous sommes obligés de faire. Apprendre le monde qui a fait meilleur travail dans le domaine à travers le monde. Et garder comment structurer le travail, garder comment équiper, et directement en consultation avec nous. Et c'est ça qui permet nous. Plus ou moins arriver à résultat ça que nous voilà actuellement. Ça te demande combien de pour te mettre ça à ça c'est une superbe question. Mais ce que je me dis, en termes concrets, ça demande un pile d'investissement, un pile d'effort. Un pile d'effort. Parce que l'on regarde
pour monter un institut campé en Haïti, l'investissement presque arrivé à $1 million, ça fait tout le monde essouffler. Surtout comme ça, le pour sortir la poche partenaire, la poche famille, en pile monde, la poche famille, pam, la poche pas moi, et la poche partenaire qui est obligé de prêter comme à droite, à gauche, tout le monde mettait ensemble. Et tout, et peut-être la partie qui était plus difficile, c'est partie de la banque. Là. Partie de la banque, là, parce qu'on est en Haïti, et des projets, quoi, des projets pas nous, c'est des projets qui coûtent, mais. Et pas aucune, pour qu'on ait une formule, mais j'espère que ça va arriver, pour qu'on ait une formule pour que prêt pour faire des institutions aussi clés, aussi importantes pour le pays, jouer une COB à bon marché, nous sommes obligés de prêter COB à prix fort, mais déjà tout. C'est ça qui est un peu difficile. Quoi. C'est ça. Mais en fait, nous avons une expérience de TIA, malheureusement, qui était très intéressante, mais pas qu'un B. Et ça va, souvent, si j'en fais peur, on va le faire investissement, ça va vous dire, est-ce que ma privé qu'un B et joindre les gens qui vous comprennent, ça va faire. Et moi-même, je dis ça pour tout extrapoler là. Et l'on monde a une idée. Et l'on monde voulait un entrepreneur parce que. En tant que médecin, je suis entrepreneur. Parce que je dois mettre comme dehors pour réaliser un bagage, son entreprise, quoi après. Pour l'homme, il y a une idée, un rêve, un objectif pour les atteindre. Échec, pour l'autre monde, pas supposé influencer. Et très souvent, opinion, tout, pour l'autre monde, pas supposé influencer. Il y a là comme conseil. Mais l'on rêve, par exemple, il y a des jeunes qui viennent à Haïti, qui viennent des projets. Rêve qui gagne des capacités extraordinaires, qui gagne des énergies pleines extraordinaires. Moi, j'ai une petite formule que m'applique moi-même, que même groupe moi nous applique tout souvent, c'est que nous avons des capacités, le monde qui a fait nous peur, pas pour le monde qui a fait nous peur, non, nous avons peut-être des idées négatives qui sortent, nous avons des capacités pour nous fermer les oreilles, nous même nous fermer les yeux. Non. Ce qui veut dire que nous juste focus sur l'objectif-là et nous aller. Nous te continuons. Bien entendu. Les questions sont très belles questions. Nous apprenons des erreurs des autres. Nous apprenons des erreurs des autres pour ne pas faire même erreur. Mm-hmm. Ce qui veut dire qui ça fait l'autre là échouer, qui ça fait une institution pas continuer. Nous apprenons des erreurs. Nous apprenons plus de monde qui réussit. Parce qu'il y a plus d'éléments intéressants qu'on a tiré le monde qui réussit. Parce que le monde réussit, modèle formule réussite là, les plus intéressants, les plus productifs, comment nos monde qui échoué, qui ça fait les choses, monde qui échoué, à carrément pas qu'une hypothèse, c'est des hypothèses. Tandis que monde qui réussit, l'abord des formules, l'abord des bagages que le quoi l'a donné, que peut-être tout même avec discernement, cas ouais exactement. Même si en Haïti nous ne serions pas parler de mauvaises nouvelles, yo, nous pas trop parler de bonnes nouvelles yo ici. Et c'est Julio même. Je suis content et remarque ça parce que je pense que l'émission là, télé-nationale, tout, et qui souvent fait des bonnes choses, c'est un tremplin extraordinaire pour que le pays soit au courant des bombes qui passent dans le pays. Parce que l'heure est temps pour que chaque monde qui est dans chaque point, dans chaque quartier, dans chaque zone, dans chaque côté, comme on a fait un bagage intéressant, faut nous dévoiler. Parce que aspect négatif, là, parce que si un international là, qui est là, qui peut topier nous, monter aspect négatif pays, hein, nous-mêmes nous supposons montrer que au-delà des choses négatives, oui, bah, négatif existe, pour que responsable prenne responsabilité, pour que responsable fasse action, pour attirer l'attention des dirigeants, il faut que bah, négatif soit au courant, mais bah, positif, il faut que soit tout le temps. Et moi-même, je pense que c'est un combat que nous. La guerre qu'on nous a donné, je vais parler de groupe Chitaï, je vais parler de Harry Beauvais, directeur fondateur Chitaï, je vais parler de groupe, là, parce que nous sommes pas qu'un individu dans le groupe. Médecins, infirmières. Médecins, et en grande partie, nous sommes un paquet de partenaires dans le groupe. Et ça qui me passe, c'est que les individus qui sont dans le groupe, là, qui jouent des éléments pour passer, pour motiver d'autres personnes, nous ne pouvons jamais rater l'occasion de faire. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, nous APC jouer actuellement au-delà de ça, nous avons les rôles que nous avons là pour le service de la communauté. Nous avons l'autre rôle que nous offrons, c'est d'être des modèles pour la communauté.
et le bail dit c'est la dérivée, je pense que c'est un bon bail. Professeur, là, je vais vous parler de ça un peu plus tard, docteur Beauvais. Mais en fait, qui général, qui monde qui vient nous voir dans Chitay? L'Enchitay, c'est comme à la banque. C'est-à-dire nous recevoir toute catégorie, toute classe sociale, tout le monde qui a souffert parce que pas qu'un petit monde vient jouer dans l'Enchitay. Et l'homme dit tout le monde qui a souffert, ce qui veut dire que nous recevoir monde, c'est une institution qui actuellement, et nous l'avons visité, nous fait unanimité en termes de position centrale dans la Port-au-Prince, mais nous recevons monde dans toute zone du pays. Que ce soit mon Dieu, Capo, Jérémy, Jacmel, Autrou, et dans les NIP, peu quel que soit côté commun là, tendez au courant que Genchitaï, ou mon pense que il n'y a pas qu'à un petit monde, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, la boum pour le petit monde, nous là pour nous recevoir et nous recevoir tout le monde dans Chita là avec même plaisir là, nous recevoir tout le monde avec même accueil là. Ce qui veut dire quelles que soient conditions sociales ou économiques. Autre chose. Tout. Et pour nous tout préciser, là, ça c'est un phénomène extraordinaire que m'a partagé avec les populations haïtiennes là, et télénationales. Il faut que nous connaissions que depuis, on a dit là, 6 ans d'existence de Chitay, depuis 3 ans, à peu près, oui, 3 ans environ, nous recevons des mondes de la diaspora. Nous recevons des étrangers à Chitay. Ah, vous quittez l'autre bord. Ah, oui. Ce qui veut dire que nous, plein de monde qui sortit Montréal, qui sortit Florida, qui sortit New York, en pile côté États-Unis. Les Haïtiens, non? Haïtiens comme des amis ou des étrangers qui accompagnent. Qui viennent prendre service en Haïti. Qui s'est passé? Donc, nous venons au point en Haïti, côté que l'autre fond bagaille qui est bon. Ou dit quoi l'autre fond bagaille qui est bon. Ou prouver quoi font bien qui bon, moun vin jouer nous, moun vin consulter. Qui s'est passé? Là moun vin, qui ça généralement plus gros problème fait ou pas qu'a fait timoun? L'homme n'a pas qu'a fait timoun en Haïti, c'est génial, yon baye pour la population qu'on est, et yon commence à apprendre grâce à l'école que Chitay fait dans les médias, c'est dès le départ qu'on est que fait timoun intéressé un garçon avec une femme. En définitive, si son garçon en femme qui peut faire timoun, problème fait petit là qu'à un garçon, qu'on sale qu'à femme là tout. Qu'on sale qu'à tous les deux tout. Nous parlons nous compte que si n'a pas le pourcentage de problèmes qui gagnent, nous rendons compte que à peu près 38% dans le cas volume moun qui vient faire consultation là qu'à nous pouvons faire dans 38% des cas, c'est fia qui a un problème. Pourquoi? L'un ou l'autre 25% des cas, nous voyons que c'est garçon qui a un problème pour quoi. Et l'un ou l'autre 10 à 12% des cas, nous voyons que tous les deux ont un problème. Ni fille, ni garçon, tous les deux ont un problème. Et puis peut-être l'un ou l'autre 8 à 9% des cas, nous venons rendre compte que nous n'avons pas qu'à identifier exactement qui est ce qui a un problème, si c'est fille ou si c'est garçon. À ce moment, nous venons parler d'infertilité et d'expliquer. Mais la question, c'est une question qui est très complexe. Nous parlons de répartition, problème fille avec garçon. Mais fille a des problèmes spécifiques. Garçon a des problèmes spécifiques. Là, on a parlé de problèmes spécifiques là, quand une fille qui a une difficulté pour gagner timoun. Première cause infertilité que nous voyons en Haïti, et c'est cause qui est plus importante que nous voyons là, c'est problème trompe. C'est-à-dire trompe bouchée. Trompe bouchée, première cause qui fait que trompe bouchée en Haïti, et m'a dit pour la population, entendez, c'est problème infection. Infection sexuellement transmissible. C'est-à-dire maladie que vous ne trappez dans fait bagaille. Infection sexuellement transmissible que vous n'avez pas perdu du temps à traiter. C'est ce qui veut dire quoi? Ou vous avez une infection, ou une douleur, ou des sécrétions. Ou prend 2-3 graines en piscine, ou prend dans la rue et fait au bagage, et pour infection arrêter, mais pourtant infection évolue à babouille. Infection continue, et puis finalement trompe bouchée. Ça, c'est la première cause nationale que nous voyons qui bloquer, qui empêche mon fertilité en Haïti. Infection valable pour garçon, tout. Un garçon qui a une infection, qui a été fait petit bien quelques années, ça nourrit les canal différent, c'est-à-dire canal qui conduit sperme, qui peut faire sperme aller pour fier à cette là,
ça arrive tout, canal, ça qu'on bouche tout. Pour monsieur tout. Pour monsieur tout. Deuxième cause, nous voyons qui est très fréquent en Haïti pour problème de fertilité actuellement, c'est des problèmes qui sont liés à ovulation. Je vais expliquer pour la population, ça arrive à ovulation. Chaque mois, nous femmes, pendant le cycle menstruel, c'est-à-dire des périodes qui séparent une règle par rapport à une autre règle, on femme va libérer ovaire, le sac zéro, libérer 11, qui est l'ovule en bon français. Je ça, il va le rencontrer dans ton plan avec sperme garçon pour sperme garçon, jeune garçon avec jeune femme capable de bailler un embryon qui va le venir au timon. Qui ça passe? Guérifi, pour des raisons que la population ne peut pas comprendre là, qui pas ovulé chaque mois. Ou bien pas ovulé du tout. Ou bien qui ovulé qualité zéro pas bon pas qu'à faire tout monde. Donc à ce moment, il y a des travail pour faire pour ça. Ma bon exemple de monde qui presque pas ovulé du tout et qui gagne grandement des filles qui pas suivre quoi qui obèse. L'homme dit obèse, ce qui veut dire que monde qui gagne tendance gagne surpoids. Monde qui gagne tendance trop gros. Monde qui pas fait attention à l'alimentation. Monde qui peut-être pas gagne choix, qui pas fait son sport tout. Qui pas fait sport tout. Et qui mange mal tout. Et parce que volume gros poids en pile, on ka dire que plus de 50% de monde qui obèse, il y a des problèmes de ovulation chez eux. Il y a pas gagne règle chaque mois et problème de ovulation ça gagne ou petit gens dérangé. Et ça ba des difficultés pour tomber enceinte rapidement. Et ça c'est des bagages que nous capables corriger. Et nous avons pile travail que nous faisons dans Chita pour corriger ça. Troisième cause que nous jouons, qui est plus fréquent, surtout la femme, c'est le problème matrice. Le problème matrice, et le problème matrice, il y a diverses causes. Il y en a d'ailleurs, c'est fibrome. Race noire, pour des raisons génétiques, en général, produit des fibromes. Nous produisons plus de fibromes que blancs. Et ma tout dit population ça, c'est pas parce qu'on moun gen fibrom que ou pa ka fè ti moun, mais c'est position fibrom nan en dedans matrice là qui ka empêche ou fè ti moun. Ou ka di par exemple que oui, ou konn une dame qui te gen 10 fibrom mais elle fait petit sans problème. On gen a grand ti grand fibrom qui gros son ti grand cerise qui chita en dedans matrice là et pou pa ka fè ti moun peut-être ça. Position dérangée. Position dérangée. À ce moment, et l'enchitaille, qui ça nous fait? Nous avons des experts, nous avons des équipes qui spécialisées dans le retirer fibrome, forme honnête. Et scientifiquement, forme honnête, ce n'est pas nous-mêmes, nous sommes l'enchitaille qui qu'on retirer fibrome. Tout gynécologue compétent et entraîné capable de retirer le fibrome dans la matrice. Mais nous-mêmes, ça nous ajoute en plus le retirer fibrome. En plus de retirer fibrome, nous ajouter ça nous relève reconstruction matrice. Ce qui veut dire que faut retirer fibrome dans une, mais faut qu'a fait matrice tourner genre d'adoyer pour matrice en langage créole. C'est-à-dire nous fait matrice vintifi encore. C'est comme d'adou pour un moteur refait pour matrice fonctionnel, pour matrice paré pour le capable que bon petit monde. Retirer fibrome et refait matrice. Qui donc chaque fois, on tout dit pour la population, ça, quel que soit côté nous, fibrom, l'avantage, avantage, c'est que il pas baille douleur, le plus souvent. Seul si il n'y a pas ou, il a fait ventre, pas être gros, mais il y a un gros fibrom. L'autre problème que fibrom n'a pas encore, peut-être qu'il a pas hémorragie, le fibrom est mal positionné. Mais chaque fois, on connaît qu'on a un fibrom, ou pas gagner, on retire le fibrom. On retire le fibrom avec un bon gynécologue, ou monde qui est compétent. Retirer fibrome yo et avec des instituts qui ka seulement retirer fibrome yo et puis qui ka reconstruire matrice ou faire matrice ou fonctionnelle. Ça c'est un élément important. Même si question fibrome n'est pas très fréquent sur ça. Et ou bien sûr que question fibrome est toujours là. La population noire, race noire que nous y a. Mais tout simplement, il vient fréquent parce que tout simplement, il y a plus de gynécologues qui ont appareil sonographie. Il y a plus de gynécologues qui arrivent à faire diagnostic là rapidement. Et ce qui veut dire que vous venez découvrir le problème plus rapidement. Et c'est des cas qui méritent de traiter.
et correctement, surtout l'on monde besoin de faire ce monde, il faut ouais un expert pour retirer le fibrome. Surtout le fibrome est mal passé. C'est la troisième cause là. C'est la troisième cause. Quatrième cause que nous venons en Haïti, la caïfamio, c'est une pathologie qui relève l'endométriose. L'endométriose, hein, c'est un diagnostic qui est facile pour faire, mais qui est difficile pour faire tout. C'est une pathologie qui va être à douleur, en pile douleur, douleur tout le temps. L'elle gagne rapport sexuel, que elle gagne règle, que elle pas gagne règle, qui bat le douleur tout le temps. C'est-à-dire, partie qui en dedans, matrice là, que nous relais endomètre là, nous venons de l'autre côté. Pour des raisons que personne ne connaît. Mais pour des raisons tout que expliquer tout. Scientifique expliquer tout. Et ça qui me passe, c'est que chaque mois, pendant le cycle menstruel là, endomètre là, grossi, vin, épais. Pour recevoir zoya, pour recevoir embryon, pour recevoir timoun. Mais tissu ça qui est anormal là, que nous venons dans ouvert, que nous venons dans trompe, que nous venons tout en de cavité abdominale fia, tissu ça, nous venons de l'autre côté, le gonfler tout. Et puis le bafi a des douleurs. Qui ça le fait? Li fait que ouvert ou pas marcher bien. Li fait que trompe pas marcher bien. Li fait que matrice ça pas marcher bien. Ce qui donc, ou fille, qui a une douleur tout le temps, qui a une douleur chaque mois, qui a une douleur régulièrement, et qui ouais qu'on parle avec un timon, la moitié des cas endométriose là, ils sont pathologies en général qui c'est des experts qui pour traiter, c'est des experts qui pour résoudre les. Heureusement en Haïti et groupe Chita est là pour aider. Et heureusement toi en Haïti, il y a un pile d'autres gynécologues experts qui maîtrisent qui sont endométriose qui là pour aider population. Parce que nous pas seul mettre traitement endométriose en Haïti, plein d'autres compétences excellentes qui sont capables de faire ça. Comme on a question cause, est-ce que avortement, on peut défaire avortement, forcé ou non, ça capable de cause qui fait le pas qu'un petit puis devant? Certainement, certainement. Et avortement provoqué dans de mauvaises conditions, c'est une cause qui comptait pour cinquième cause. Infertilité en Haïti. Ah donc on a peut retirer petit. Ah oui, oui, finalement ou pas besoin de petite pour retirer encore. Et parce que, en dedans, en matrice, en particulier les endomètres là, et c'est un bagage qui est sensible. Et l'homme, on a le fait cutage ou retirer toute partie fonctionnelle en dedans matrice, moun sa ka fini, pas par un petit moun, surtout si l'avortement est réalisé dans de mauvaises conditions. Il y a une autre cause, encore, sixième cause, que nous venons, c'est moun qui ont gagné des avortements à répétition. Avortement spontané. Ce qui veut dire que mon enceinte, et puis il vivait sous 2 mois, 3 mois, pour si mon éclaté, si mon sorti. En pile là, c'est des causes qui demandent en pile investigation, qui demandent en pile expertise, ou mon qui gagne des fausses couches tout le temps, qui va voter tout le temps, qui pas carré si mon, ça, sont experts. Un expert qui pour Chita, j'en nous fais la Chita, analyser point par point, parce que c'est pas dit. Ah bah ouais, n'importe qui docteur, parce que les gens qui ont des avortements à répétition, il faut que vous chita pour ouais. Et parce que tellement il y a des causes qui font les gens des avortements à répétition, causes vous allez de simple fibrome, passer par cause génétique, immunologique, et inflammatoire, infectieuse, et cervique, et col. Ce qui veut dire que faut que l'expert là chita pour ouais avec vous. Qui route pour faire pour permettre aux gens de monde. Et là, nous arrivons à réussir en pile cas avec des patients qui ont des avortements à répétition et en Haïti, et nous arrivons à gagner un monde sans problème. Qui tranche d'âge qui puisse visiter Chita? Et ça, c'est une bonne question, mais nous croyons que 80% de la population Chita est là, qui vient nous actuellement pour gagner un monde, aller en 32 ans et 42 ans. 32 ans, 42 ans. 32 ans, 42 ans. Sauf que je suis à risque. Parce qu'à partir de 35 ans, la médecine va recommander pour que tu aies fait timoun encore. Par contre, pour qu'il soit dit ça, c'est bon, pas recommander pour des raisons multiples et médicales. Parce que après 35 ans, c'est vrai que c'est ça qu'on fait à commencer. Car il y a tendance, des pathologies, des cardiovasculaires, des cœur, des problèmes de tension. Problème sucre, diabète, c'est là, ça en général le fait apparaître. Mais physiologiquement parlant, au monde qui a un petit monde au-delà de 40 ans, si toute
l'autre problème médical exclu si tout l'autre problème médical bien géré, bien contrôlé. Nous connaissons une petite, tu peux pas être né dernier tout à 49 ans. Bon, et peut-être qu'on a annoncé ça à la population, nous avons des gens qui ont une petite lacaille, Chitaï, en Haïti, et 49 ans, 50 ans, 51 ans. Ah bon? En Haïti. Bien entendu, après traitement. Après traitement. C'est pour nous dire que l'âge là, je ne vais pas demander aux gens de tendre l'âge ça pour gagner. Parce qu'on n'a pas d'autres paramètres. Grossesse là en général compliqué. Grossesse à son grossesse à risque qui a mis vie maman en danger si par un des experts qui l'a poursuivi grossesse jusqu'à l'accouchement. Mais l'âge, c'est son chiffre, c'est pour moi qui fait nous peur. Et 42, 43 ans, oui, il y a des formules que nous avons pour nous gagner en Haïti. Même pas le demander pour nous tendre l'âge ça. Vous faites pousser? Et oui, yo, en général, grossesse est fini par des sections césariennes. Pour des raisons bien simples. Pousser à n'est pas bon pour que les gens, à 50 ans, 60 ans. Et puis, deuxièmement, tout, bon, ça arrive que les gens poussent sans problème. Oui. Mais c'est l'état hémodynamique qui parle décider au dernier moment entre médecins internistes et gynécologues qui risquent de gagner pour les gens accoucher à un âge avancé ou pas. Est-ce que ou nous connaissons des gens, et puis nous regardons, nous consultons, il n'y a pas besoin de des choses qui sont allées dans toute cause qu'on se dit là. Parce que c'est des choses qui sont être mineures, pas qu'on est, dans le niveau chita, est-ce que nous pouvons faire remarquer ça? Oui, ça qu'on arrive, que vous avez des couples qui viennent, ou fait interrogatoire, femme, donc l'évaluation que vous pouvez faire, commencé depuis interrogatoire, là. Ou fait depuis question à poser, ou à peu près côté monde, qui pose des problèmes. Et depuis l'interrogatoire, là, ou passer par examen clinique, consultation, ou faire sonographe, ou faire toute évaluation, ou dit qu'est-ce que vous avez un rapport sexuel, trop pas bouché, sperme bon, tout le bagage a fonctionné. Et puis, ou pas, ça m'a rien. À ce moment, vous avez rentré dans la catégorie 8 à 9% que nous étions tout à l'heure, vous avez rentré dans la catégorie infertilité inexpliquée. Ce qui veut dire que par contre, qui cause? Qui fait que vous avez un petit monde? Même si vous n'avez pas qui cause, mais. Il y a des traitements pour ça, pour infertilité inexpliquée. Parmi les traitements, il y a l'insémination intra-utérine, qui marche très bien à cause de ça. Il y a la fertilisation in vitro, qui est une spécialité qui fait que Chita existe, qui marche très bien à cause de ça. Et ni l'insémination intra-utérine, ni fertilisation in vitro, c'est des solutions qui tombent idéales pour des patients qui gagne fertilité expliquée pour lesquels que par contre nous cause réel problème de fertilité. Est-ce que ça qu'on y met tout un calendrier nous proposer en termes de rapport sexuel qui t'a aidé de faire petite sans problème? Oui, et nous obligé de faire ça et pour que ça parce que gagne couple qui viennent joindre nous. Mais c'est pas fortuit, c'est une question d'information. Éducation. Couple là, oui, donc nous gagne 2 ans à faire bagarre, bah patati patata nous bagarre, c'est bon. L'eau fait questionnement. Ou venez que Marie a son policier qui porte de père, l'entrée vit nous à Madame n'importe au prince chaque 15 jours. Mais, gros pareil pour la population qu'on est, et m'a dit pour tout le monde d'aller là, long mois, on dit au monde qu'on cycle 28 jours, long mois c'est 2 ou 3 jours seulement que fille a cancer. Seulement, 2 ou 3 jours seulement que fille a cancer. Vous avez fait un rapport sexuel pendant 2 ans là, ou pas qu'on fait jour, la période pour le monde dans cette lèvre, ou pas qu'on fait tout le à ce moment obligé de faire calendrier. Mais bon, le bagaille tout pour moun konnen. Et m'a dit pour population, faut population claire sur ça. Même le docteur Beauvais, ou bien n'importe qui l'autre gynécologue, expert, ou bien ou infirmière qui est compétent, t'a dit nous que bon, madame, mes calendriers, période qu'on t'a supposé faire bagaille pour ancêtre là, on dit que mes 2, 3, 4 jours qui clé pour ancêtre là, même le tadou, ce n'est pas parce qu'on fait des choses pour un 7 ans pour avancer. Ou bien 20% de chance seulement pour un 7. Ah bon? Ah oui. Ce qui veut dire que c'est pas bon. Trompe pas bouché. Ou ouvert, marché très bien. Ou après, ou ovulé. Ou fait des choses pour un 7 ans. Mais ou bien au chance sur 5 seulement pour tomber enceinte. Il faut la population comme ça. Et ça, c'est très important. Mes amis, en nous clair. Imaginez le volume de monde qui est tombé enceinte, le volume de jeunes qui prend un risque chaque jour. Ce qui veut dire que vous mettez condom, souvent, pour protéger votre compte grossesse ou votre compte infection.
que vous pas voulez prendre risque. Et mais très souvent tout, ils ont retiré condam. Et ça quoi le passé, c'est que si tout le monde qui était fait rapport sexuel joue au violation, joue peut-être en cette là qui pas un problème, volume de grossesse ou t'as augmenté extraordinairement. Donc c'est pour te dire que il y a un pourcentage de chance pour tomber enceinte, même dans les grossesses naturelles, c'est environ 20% par cycle que lié l'offre et rapport sexuel, le deux couples par un problème. Mm-hmm. Est-ce qu'on a des cas, malgré tout ça, nous fait dans Chita, nous pas un résultat pendant 10 ans ça? On dit pendant 6 ans ça, oui, ça arrive que il y a des cas. Mais bon bagage qui est important. Question là, sont questions qui méritaient une réponse scientifique et statistique. On nous prend par exemple insémination intra-utérine. Et population qui là, nous avons souhaité tout le monde qui est portable, qui sous captcha sur internet toute la journée, courir sur Google ou bien sur Yahoo pour prendre ces informations. Mettez chance de réussite d'une insémination intra-utérine. D'après sur internet là, il écrit 16%, 18%. Ça va, c'est génial. Vous suivez? 16%, 18%. Ou bien peut-être, il y a des centres qui ont écrit 20%. On dit que l'allée de 16 à 20%. Sous fond insémination intra-utérine au mois de janvier, ou bien 20% chance pour un enceinte. Ça veut dire que ça. Ça veut dire que ou bien une chance sur 5 pour insémination marché. On dit que, ça veut dire que, sous pas faire du tout, ou gagne peut-être 0% chance, ou bien 1% chance pour réussir. Mais 20% par rapport à 1%, ça fait 20 fois plus. Ou multiplie les chances ou pas 20. Ce n'est pas extraordinaire. Mm-hmm. Mais, bon, il ne faut pas oublier. Même l'on multiplie les chances ou pas 20, c'est 1 chance sur 5 qu'on gagne pour réussir. En janvier, au fond, insémination, ou gagne 20% chance. Il ne va pas marcher. Ou commencer en février ou au fond insémination, combien pour cent ou bien 20% quoi. Ou faire au mois d'avril, encore, qui pourcentage de chance ou bien ou pas gagner 20 plus 20, fait 60, non? Ou bien 20% de chance, encore. Ce qui veut dire que traitement qu'on mérite de gagner, c'est qu'à peut-être insémination intra-utérine, mais tout travail que nous avons fait fonctionner en fonction de pourcentage de chances de réussite pour méthode par rapport à l'autre. Ce qui veut dire que ça peut arriver, que vous avez des clients, effectivement, qui essaient une méthode une fois, il n'a pas marché, l'essayer deux fois, il n'a pas marché, et puis il dit, bon, le traitement que vous pas bon, il n'est pas. Et c'est la persévérance et détermination qui fait que, finalement, la méthode a fini par marcher. Par contre, je ne sais pas si vous avez dit. En pile cas, par exemple, on peut comprendre une frustration, c'est la même population. Il peut arriver, par exemple, ou au calendrier rapport sexuel. Ou dire qu'il y a un rapport sexuel pendant telle période dans le cycle. Il fait ça pendant 3 mois, et puis il ne va pas marcher, et puis il dit bon, il a échoué. Ou bien il fait une insémination une seule fois, il ne va pas marcher, il dit bon, il a échoué, ben, ça ne va pas marcher. La persévérance, son bagage qui est important, l'entraînement infertilité. Tout exemple que je prends pour insémination intra-utérine, il est valable pour fertilisation in vitro. Fertilisation in vitro, actuellement, la technique que nous utilisons, bah, des chances beaucoup plus élevées qu'une insémination intra-utérine. On a parlé pour mon gars initié, on a dit, j'étais spendant pour fille, ça. Bon, tout profiter, l'ouvre parenthèse, hein, avant de parler de. Le trompe bouché. Ça veut dire que les œufs n'ont pas qu'à passer pour la langue de matrice. Sperme n'ont pas qu'à monter pour la langue côté œufs. Nous ne savons pas enceinte. Nous ne savons pas vivre enceinte par les voies naturelles. Qui ça nous oblige à faire? Nous oblige au lieu de faire 11 œufs, nous oblige à faire plusieurs œufs. Et puis, en salle d'opération, nous utilisons une technique non invasive, bon, qui est invasive, mais qui n'est pas trop pris ça dans l'année, nous aspirer les œufs. Aïe. Ce qui veut dire qu'actuellement en Haïti, on n'a pas de chita, on n'a pas de fertilisation in vitro, on n'a pas de bagaille, de médecine avancée, on n'a pas de médecine de pointe. Même gens dans l'autre domaine, quoi, cardiologie, transplantation cardiaque, sont médecine de pointe. La reproduction,
fertilisation in vitro, c'est une médecine de pointe. Ma reprendre, nous prenons les œufs, nous transférons au laboratoire qui collé avec la salle d'opération. Nous avons embryologiste. Embryologiste, c'est un monde qui l'a pour manipuler sperme. Sperme, ça nous est les jeunes garçons, c'est un tout solide là. L'anti goutte sperme, il y a des millions de sperme. C'est-à-dire que c'est bon, bah, on met des jours pour ça, on pas qu'à ouel. Vous obligez qu'on microscope très puissant, très très puissant, pour ouais, on spermatozoïde. Qui donc, qui ça nous fait? Nous prenons j'aime fio, on dit que nous arrivons pendant un mois, au le fia baye, ovule, ça nous est 11, nous fait le produit 15, avec des hormones, avec des médicaments. Qui donc, 15 œufs, 15 ovules, capable de faire 15 simoun. C'est clair. Nous prenons chaque ovule ça, nous mettons en présence des spermatozoïdes, et puis pour spermatozoïdes, ça, étant donné que nous avons pas de café l'encore parce que trop bouché, rencontre œufs avec sperme, les vins fait au niveau du laboratoire. C'est ça les fertilisations in vitro. In vitro, ça veut dire que au niveau du laboratoire. Qui donc, c'est génial. Beauté, bagaille la vini, du fait côté que nous mettons spermatozoïdes en présence ovule et puis c'est pour spermatozoïdes qui vous pour rentrer. La science dans l'intelligence est tellement avancée et compliquée, ça qui arrive, oui, et ça arrive souvent, que quand tu es sperme garçon insuffisant pour garder assez de sperme pour rentrer dans l'ovule, dans l'œuf spontanément, ou bien spermatozoïdes comme ça, ils portent des barres qui sont. Pas de qualité. Ils n'ont pas de qualité. Ils portent des barres qui sont. Parce que spermatozoïdes sont barres qui marchent sur nous, sont êtres qui portent des qui prennent courant, zzz, la marche comme ça. Et pour voir comme ça, sous qu'on nous slow motion, sous qu'on nous vermicelle qui marche. À ce moment-là, la science, grâce aux experts que nous avons, et puis avec des équipements hyper sophistiqués que nous avons, nous venons faire des barres qui ont des gens. Plus avancé encore que fertilisation de vitro, nous venons faire ça dans les XI. Ça veut dire que nous injecter, nous prenons spermatozoïdes, graine par graine, l'antimicropipette, qui à peine pigou comme brin cheveux, qui vont canal qui pigou comme brin cheveux, nous aspirer, embryologiste, aspirer spermatozoïdes, ils prennent le fouet dans l'ovule, repos, petit monde dérapé. Petite parenthèse, qui ça qui a fait un sperme pas de qualité? Et plusieurs raisons. Génétique, c'est la première cause. C'est-à-dire, il y a un problème génétique là. Problème génétique, et papa, ou ben, le plus souvent, c'est les pères, ou bien, il y a des types de problèmes, donc c'est maman qui transmette. Problème génétique fait qu'on ne soigne pas de qualité. Deuxième cause, c'est l'infection. Infection virale. Et troisième cause, c'est les traumatismes. Quatrième cause, c'est des problèmes immunologiques. Là, on n'a pas parlé de problèmes immunologiques. Bah, tout dit ça pour la population, tout garçon qui est dans le sport, sportif, ou bien qui est dans la vie, tout. Et pour tout qu'on est, en parlant de sperme de qualité, qui a privé là actuellement, qui a détruit son entourage de la caille en garçon. Chaleur, numéro un. Chaleur. Qui donc, on chauffe camionnette, ou même capitaine d'aim là, on chauffe camion, pour dire qu'on a cherché la vie pour vivre, qui chita. Ranger quoi pour koto chita. Depuis 5h du matin, des bois volants, là, jusqu'à 10h du soir, pour porter comme bail femme pour vivre là, que par une chaleur qui a sorti en bas coussin, contre quoi a sorti là. Parce que chaleur détruit le spermatozoïde. Chaleur, d'ailleurs, c'est pour ça que le spermatozoïde pas en devant nous. Le spermatozoïde de yon, pour yon prendre l'air. Parce que yon pas qu'à tolérer la température comme nous. Il faut qu'il respire l'air tout le temps. Donc, le spermatozoïde là, là ou même pour chita, pour dire, sous un bois volant, on va chercher la vie. Et puis, ou pas faire attention, moteur machine dans le chita. Veillez pour moteur machine n'a pas chauffer en bas d'eau. Parce que chaleur détruit ce spermatozoïde. Ça, sont causes fréquentes. Deuxième cause que nous ne pouvons pas supposer, traumatisme dans le testicule. Son mari qui détruit ce spermatozoïde. Traumatisme, ça veut dire qui ça? On est au football et puis on fout un coup de pied. Dans le testicule. Ou bien encore, on est qui en boxe, bon coup, le testicule. C'est ça qui fait que coup, l'appareil génital garçon, quel que soit le sport,
yo pren sanction, des sanctions sévères contre bay sa, à travers le monde. Ce qui veut dire que nous avons un coup de pied dans la partie génitale, nous avons mis une radio à vie dans le championnat de football européen, par exemple. Ou bien n'importe quel problème. Parce que il y a des conséquences catastrophiques sur la capacité de nous pour faire des petits mouns dans le futur. Mm-hmm. Et l'autre cause encore que nous jouons, c'est l'alimentation. Ah, j'en ai mangé. J'en ai mangé. En parlant de j'en ai mangé, je m'a tout dit population ça, gè des bagay qui agit en pile sur infertilité, c'est ça nous relait des colorants. Tout produit que n'a boire là dans le market, nous met tout bagay que nous boire, bah ben cité nous non, tout jus artificiel qui rouge, vert, jaune. Sur quand la pour jaune là même courir pour lui. Ah bon? Ou courir pour lui net, jaune abricot, rouge, rouge brique. Tout colorant ça non seulement bagay cancer, il agit sur infertilité tout. Ça c'est des causes fréquentes. L'autre cause que nous venons encore, surtout la caille garçon, nous parlons tout de suite ici à tout à l'heure, c'est mm-hmm. L'autre cause que nous venons la caille garçon, qui est important, ou c'est petit mal mouton, vous allez. Mal mouton? Aïe. Ou mal mouton? Qu'on pas traité? Non, qu'on traité, qu'on pas traité, vous allez. Ou c'est mal mouton, on a un oreillon, l'autre petit monde, qu'à vous allez. Mais ce n'est pas tout le monde qui a un ça nous relève oreillon, qui vient un problème ça. Mais vous remarquez que, en pile, les gens qui ont un problème, ils ont fait l'insécurité. Ils ont mal mouton. Moi-même, j'ai mal mouton, mais je n'ai pas de problème de fertilité. Est-ce que vous comprenez ça? On sait que mal mouton qu'à vous aller. L'autre cause encore, des infections sexuellement transmissibles. Il y a des pathologies virales, c'est miné ou miné tes testicules. Vous voyez là, il y a des pathologies bactériennes, c'est miné ou miné tes testicules. Vous voyez là, il y a des détruits. Quand vous avez un sperme, vous empêchez de vivre. Quatrième cause, drogue. Ou du moins, cinquième cause, drogue. Ou moun, kap pren drogue toute la journée, est tranquille. Tant de cause. Affaire de faire ti moun nan, c'est tant de droit à de ça. Cinquième cause, sixième cause alors, la kay garçon, c'est alcool. Faire petit pas marche avec alcool. Mais parfois, monsieur dit pour une feeling de boîte alcool. Et oui, bon. Feeling, l'alcool, c'est son bail psychologique. Peut-être que l'alcool là qu'a créé qu'a libéré des inhibitions, ce qui veut dire que l'on prend l'alcool, il qu'a faut faire des bagailles qu'on pas envie faire, il qu'a mettre au pied à l'aise. Mais peut-être pour fier tout bon on fier envie tu craint faire certaines bagailles, mais l'alcool là qu'a mettre le meilleur disposition. Mm-hmm. Mais l'alcool pas augmenter fertilité là qu'a un garçon. Il y a différence entre fertilité et érection. Mm-hmm. Et performance sexuelle. Et même là encore, si nous parlons de performance sexuelle, l'alcool pas amélioré. Du tout. C'est le contraire. Moi, c'est ça. Ah, prouvé. J'en sais la matière à l'université. Et maintenant, ça c'est la cause principale que nous venons dans la caille. Maintenant, comme nous avons monsieur, pour nous arriver dans la question infertilité ou infertilité, il faut que monsieur ait une érection. Et il y a un monsieur Noto qui a un problème, ça. Ça n'a pas dit que pas camper. Qui n'a pas avancé. Est-ce que dans le niveau de Chita et tout, il y a des gens qui viennent ouais nous et qui, malheureusement, n'ont pas camper encore? Et Chita, je dis ça pour la population, quelle que soit la cause de fertilité, que c'est cause de la garçon, que c'est cause de la fille, nous recevons et nous avons des solutions pour eux. Une des causes fréquentes que nous jouons de la garçon, et tout, qui, pendant parler d'érection, c'est le diabète. Ah, les gens qui ont tous ceux qui élevé. Une cause, une bagaille qui passe là, oui, ou pas faire attention, ou atteint. Nous toujours gagnons la tête nous que diabète là, son bagaille qui atteint moins 50 ans et 60 ans. Non, diabète ou bien 19 ans, 18 ans, ou diabétique. Ou mon qui commence, un garçon, un jeune garçon, 19 ans, ou pas traité, ferme confiance à 30 ans, pas gagné encore. Parce que diabète là, les mine vaisseaux. Tout vaisseau côté pour sang aller pour aller en circulation éliminer ou pas gagne bon encore. C'est ça qui fait que Chitaï depuis 7 mois, oui environ 7 mois, nous obligé gagne un endocrinologue avec nous. Un endocrinologue, c'est-à-dire un monde qui spécialisé dans problème glande qui baille des hormones que c'est pour diabète, que c'est pour glande dans tête là que nous les hypophyse, que c'est pour et glande que nous relait thyroïde là nous avons endocrinologue expert nous développer dans Chitaï on s'est une unité
de traitement des pathologies endocriniennes, c'est-à-dire toute pathologie qui, j'aime ce dire là, qui est tout problème gland là d'ailleurs, y compris diabète, nous traitons, ce qui veut dire nous prenons charge, que ces femmes, que ces garçons, qui est des niveaux qu'on peut corriger. Il y a des niveaux qui ont peut-être des difficultés pour corriger. Et en gros, l'homme n'a pas arrivé à un stade irréversible, nous rendons compte que nous avons des résultats satisfaisants, surtout dans le problème érection. XI, on a parlé tout à l'heure. Oui, nous avons retourné à l'XI. Donc, et parce que tu râles sous côté à l'éboré, il y a beaucoup de populations qui comprennent. Donc, là, nous avons des difficultés. Nous prenons un œuf, un laboratoire. Et puis, où est l'expert là? Il prend ce qu'on nous aiguille. Mais là, je dis nous ça, c'est des bagailles qu'on parle, oui, oui. C'est des bagailles qu'on voit dans le microscope. Un petit bagaille qui est infiniment petit, d'un ovule, nous devons mettre le long liquide là ou pas qu'on voit. C'est un bagaille qui est infiniment petit. Et puis, on prend l'ovule là, on fait. Parce que l'espérantozoïde n'a pas qu'à entrer pour compter. On fait l'entrée. On fait l'entrée en dedans. Bon. Un spermatozoïde en dans l'ovule. De 24 heures de temps après, Timoun commence. Il y aurait le Timoun ça embryon. Il était une seule cellule. Après 24 heures de temps, il vient bailler deux cellules. Après 48 heures de temps, il vient bailler quatre cellules. Qui donc? Un monde qui potentiellement pendant un mois, tu bailles 15 œufs, 15 ovules que tu es arrivé à retirer, potentiellement, on a 15 Timoun. Mais au fait, ce n'est pas 15 Timoun vraiment. On bailles 15 embryons. Mais embryon, nous pas développé avec même rapidité, avec même efficacité. Tant et si bien que embryologiste expert qui rentre chaque mois vient travailler avec nous, parce que ce sont experts qui rentrent avec nous chaque mois, bah embryon des grades, suivant qualité, suivant genre comporté, suivant genre développé, suivant beauté embryon, on dit sous 15 ans, sous 10, qui gagne des qualités extraordinaires, couple. Mais faut couple, entendez, garçon avec fille, fille a pas qu'à décider que mal faire combien de monde, un petit monde, deux petits monde, trois petits monde. Couple, mettez les ensemble. Garçon à fille dit chérie, chérie, ça n'a pas fait. Mais le laboratoire Chita, il nous dit que nous gagnons 8 embryons de qualité. Combien de monde n'a pas fait? Vous entendez, nous dit n'a pas fait un petit monde parce que c'est lui nous qui a occupé. Chérie, j'en ai pas assez misère pour nous dire n'a fait deux. Chérie, je pas besoin de connaître. J'en ai passé le passé, n'a fait trois. Nous n'avons pas intervenu dans le bail. C'est couple qui a décidé. Couple a décidé. Décision, sont décision couple. Enfin. Et le couple a décidé de quantité de monde que je vais faire. Le sien, accord, ça nous est au feu de consentement. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas le droit de prendre décision pour un couple. Le sien, feu de consentement. Et puis, nous replacer un embryon, deux ou bien trois embryons à l'intérieur de la cavité. Moi-même, je dis ça sans risque de me tromper. Chaque fois que dans la population, là, nous avons trois petits personnes, il y a 90% de chance. Et si les gens ont 5 ans, il y a 90% de chance que trois petits personnes soient faites grâce à Chitaï actuellement. Qui est-ce que nous faisons dans les dernières années, Chitaï? Un cas qui vraiment paraît un chien difficile, compliqué, et nous avons des résultats. Pendant les dernières années, il y a un cas qui était impossible. Pour un garçon qui allait faire examen dans le laboratoire, il n'y a pas de spermatozoïde, il n'y a pas de sperme même. Ou une éjaculation. Garçon. Malgré éjaculer, mais sperme pas. Garçon, vous voyez, il y a un liquide là. Et puis, regardez le laboratoire, il n'y a pas de spermatozoïde du tout. Nous faisons ça répétit. Oui, certainement. Actuellement, Chitaï. Nous tout dit ça pour la population. En pile, le garçon n'a pas de sperme, il n'y a pas de sperme, mais nous arrivons à faire effectivement. Comment? Simple. La technologie n'a pas avancé. Étant donné que nous n'avons pas de sperme dans le liquide, là, nous allons chercher les testicules. Dès 90% des cas, c'est des canal éjaculatoire, canal qui pourrait ramener spermatozoïde dans sortie de l'UA, qui débouché. Et nous faisons des petites interventions, nous faisons des biopsies et nous faisons des spermatozoïdes. Ça, c'est des cas spectaculaires que nous faisons. N'importe quel âge. Et n'importe quel âge, mais nous avons un comité d'éthique
qui la cap surveiller ça l'a fait. En pile en cas qui est difficile le comité d'éthique mettez obstruction, il dit non, nous pas d'accord. Pas bon exemple bien sûr. Nous pas un problème non pour mon 80 années fontiment. Nous pas un problème pour ça. Mon point de vue éthique il y a des limitations dans ça. Vous connaissez des monde comme ça? Oui, ça arrive que au monde 80 années en vie fontiment. Oui, il y a des solutions. Mais les monde pas j'aime dire monde du tout. Mais kounia qui ou bien qui te gagne monde ou bien qui pas gagne monde mais il est difficile pour nous-mêmes pour nous parce que même pas son petit monde travaille à faire c'est pour travailler pour la famille. Et ce moment qu'appelle nous on travaille pour la famille, c'est-à-dire mon petit monde fait pour maman avec papa le bon côté. On pas dit qu'au monde 80 années mourir à 80 années. Il qu'a vivre 100 ans. Même d'a bien nous-mêmes conception par nous c'est favoriser la famille. Et ça, c'est des cas qui ont des gens difficiles, qui ont des réticences. Et l'autre cas et, qui est difficile encore, que nous conjoignons, et c'est des cas côté que les gens qui ont des spermatozoïdes, qui ont éjaculé, et puis sperme n'a pas sorti du tout. Ça veut dire que une combinaison qui vient faire ça, nous avons une éjaculation rétrograde. Au lieu là aller il sorti il gain feeling que éjaculer mais sperme a tombé dans vessie à ce moment nous même dans chercher dans vessie nous alcaliniser urine ça font terme technique et puis nous récupérer sperme et puis nous faire mon effectivement parfait mais imaginez ça coûte en pile hein pour mon université qui en effectivement et c'est génial on pose une question piège moi m'a dit pour population tenez bien. Chitaï, à un certain moment, t'es propriété d'un groupe. Vous voyez le groupe Chitaï. Mais, quand on j'aimerais bien la dérouler là depuis quelques années, Chitaï n'est pas propriété de groupe là encore. Chitaï, c'est propriété population haïtienne. Parce que ce sont institutions nationales liées. De renommée internationale, certes, mais ce sont institutions nationales qui là pour bailler toute population haïtienne dans le service. Qui donc? Mais faible moyen ou bien gros moyen, nous t'as supposé bon service. En termes de coût, je vais répondre directement. Je suspecte que ce soit là, ou mon idée dans la tête, ou mon père dit. En termes de coût, ou mon cas arrivé là, ou mon simple conseil, ou bien une consultation, ou mon simple conseil, ou dit, oh, c'est calendrier ou fait, puis ça, ça coûte ou ça pas coûte, hein? Qui coût pour bon conseil? Coût, un conseil, une consultation. Deuxième bail, le bon calendrier de la prospection, le bon tout enceinte. Deuxième bail qui est arrivé, qui est un coût faible la dernière. On parle de septième infection. Il y a des gens qui ont traîné une septième infection, une vagine banale là. Qui va traiter. Qui va traiter. Ou simple, deux visites au traitement d'infection pour enceinte. En termes de coût, nous rendons compte que il y a des gens qui ont perdu. C'est ça que nous encourageons, Mounio, et perdre du poids. C'est ça que nous baillons des balances tout, pour contrôler le poids régulièrement. Parce que perdre du poids, son élément qui est important. Qui ça dit? Conseil. Pour perdre du poids, madame, on a ovulé, et puis, pour enceinte. Mais chaque étape simple, vient gagner plus haut des étapes qui sont un petit peu plus compliquées. Étape qui est plus compliquée, on dit par exemple qu'on moun, nous, c'est fibrome. Qui gangrène matrice qui fait que ou pas des matrice gè des moun gè des clients qui rive que par exemple aux États-Unis yo pa arrêté puis yo dou se retirer pour retirer matrice parce que yo pa reconnaître matrice du tout yo juste fait fibrome nous pas fait ça nous habitué nous travaillons pour nous retirer fibrome pour nous refaire matrice et une fois opération dans Chitaï là nous opérer certains cas dans Chitaï mais cas compliqué dans les hôpitaux qui ont des salles d'opération structurées pour ça parce que nous pas un côté pour nous interner mon dans Chitaï et fibrome que nous retirer c'est des fibromes intracavitaires que nous fait par hystéroscopie. Hystéroscopie a son technique sont pas obligés d'ouvrir mon qu'on capacité dans col matrice pour aller ou à l'opérer surtout les fibromes intracavitaires nous retirer ça garantit quoi en plus. On n'a pas le traitement infertilité. Ti quoi en plus ça veut dire qui ça?
pour opérer au monde, il faut payer l'hôpital privé qu'on doit aller. Il faut payer l'équipe chirurgienne, ça c'est un petit coût en plus. En termes de coût encore, bagay qui fait que chitaï, c'est ça nous relé fertilisation in vitro. Fertilisation in vitro, faut me dire nous que, tout dit pour tout téléspectateur TNHE, et moi je suis fier de me dire ça, fertilisation in vitro, c'est la technique la plus avancée dans le traitement de la fertilité actuellement sur la Terre. Mais, vous voyez, dans le début de l'émission, on a parlé de belles bagailles qui passent en Haïti. Mes amis, ça m'a dit là, c'est bagailles qui pouvaient, dans les colloques internationaux côté que nous passons, chiffres statistiques, pourcentage de monde qui réussit dans la fertilisation de vitro par rapport à monde qui fait fertilisation de vitro. Actuellement, dans tout pays caribéen, Haïti, moi-même, je regarde tout chiffre qui a comparé, Institut X, Jamaïque, Santo Domingo. Ou bien encore des amis qui Barbados, ou bien des amis qui Trinidad, moi j'ai publié les chiffres statistiques, nous avons plus fort taux de réussite que tout pays. Peut-être qu'il y a deux mouns, deux ou un institut qui fait Virgin Island, qui il vierge, qui pas publié les statistiques, je ne sais pas si c'est privé, mais il pas publié. Mais tout ça publié que j'ai regardé, taux de réussite nous plus élevé. Grâce à Chitaï. Grâce à Chitaï. Qui donc? Ça qui passe là. Mais on a parlé de coût. Je vais tout donner une information sur le coût service. Nous coûtons actuellement, je dis 35 à 40% moins cher que Saint-Domingue pour fertilisation in vitro. 35 à 40% moins cher que Saint-Domingue. Sans compter que tu as payé l'autobus pour aller, que tu as payé l'hôtel, pour aller passer un mois à Caille Blanc Dominicain, ou pas la caillou, ou pas manger pour boire, tandis que la caillou veut un service pour mériter la caillou. Parfait, parfait. Alors là, nous allons refermer l'émission. Vraiment, c'est la première émission de faire, mais ce n'est pas dernier à tout docteur ouvert. Alors, j'en parle aujourd'hui là, ou bien secret. Pas café petit là. Chita, il y a un secret. Et nous parlons de secret, non? Et nous appliquons les règles du jeu. Nous appliquons des principes, des techniques et des méthodes de traitement qui fait pour appliquer, que le monde fait pour respecter. Ou qu'on a ici une vision sacrée des choses, ou qu'on a la prière, ou qu'on a le royaume. Parfois, est-ce que les gens ne viennent pas nous, ils ne mettent pas ça tout devant. À nous respecter les croyances pour nous. Croyances religieuses au monde, croyances spirituelles au monde, nous avons respect pour ça. Mais nous-mêmes, nous faisons travail docteur, nous travail scientifique, nous, je nous le fais. Vous êtes ici un entrepreneur, Anissa, ça te dit qui ça, c'est vous que vous appuyez. Je suis très content. Et moi, que un institut national qui est le Digicel Haïti, qui reconnaît l'effort que des gens ont fait. Et je crois que c'est objectif du travail Digicel là, c'est mettre en évidence pour la population des modèles de réussite pour que tout le monde, j'aime te dire, le temps pour mettre le prix Digicel là, que tout le monde qui a une idée dans la tête, qui a une capacité, que tout le monde leve, goumen pour travailler, pour changer, pour Haïti qui a réussi. Et le combat pour Haïti changer, ce n'est pas un combat que Chita a fait. Et il y a des modèles de réussite. J'aime dire modèle de réussite, c'est travailler en équipe. Travailler en groupe, pas travailler en solo. Travailler en équipe pour faire avancer. Et là encore, que ma prédile encore la télévision là, combat pour Haïti réussir, pour Haïti changer, son travail pour tout le monde. Son travail, son travail quartier après quartier, sujet après sujet, thème après thème. Chaque bagage que nous prenons, nous importons, nous obligés de commander là-bas, c'est pour nous gommer, pour nous produire en Haïti, pour nous produire la même qualité. Et c'est ça qui a fait, et c'est ça que tu as souhaité que tout le monde fait. Moi, on est à côté, vous dites, waouh, ça a compliqué, je vais quitter ça. Nous allons décourager. Nous venons pile obstacle. Et obstacle, c'est des éléments qui passionnent pour nous. Ou pas imaginer nos volumes obstacles nous joignent pour nous faire ça là. Obstacles humains, obstacles financiers, obstacles conjoncturels, obstacles politiques. Ou pas imaginer comment politique là des fois qu'on mine nous. Manifestation à droite, malade pas qu'à descendre, étranger pas qu'à entrer. Bon, obstacles naturels, tout la nature, cyclone vini, matériel perdu, tremblement de terre. Pour tremblement de terre, nous perdu $350,000 d'équipement. J'avais 2010. Donc c'est pour te dire que obstacle et obstacle là, nous voyons obstacle, nous voyons une frappe et nous la pire parce que objectif nous c'est Haïti et forme de tout, on notre secret tout. Pour tout le monde qui veut entreprendre, pensez à payer d'abord.
Le pays d'abord, ça c'est une chose importante. Et sous pense à pays au courant, mais pays où, ou à suspendre commander, ou à suspendre vino machin, ou à suspendre faire mon parti à la balle, prendre service, c'est-à-dire que le service est disponible en qualité en Haïti. Ou à suspendre commander des bagages qu'on a produit en Haïti. Faut nous capables de produire en Haïti pour payer à changer. Pour tout dollar qui a baissé. Ce qui veut dire, bien entendu, d'autres monde qui ont peut-être un rôle pour jouer, pour aider nous tout. Pour faciliter nos attaches, nous parlons de ceux qui dirigent le pays. Ça, c'est notre chapitre. Pour créer des conditions, pour sortir au fait. Et pour nous regarder là, j'ai une femme, j'ai un garçon qui a un peu de temps, depuis la bataille, nous faisons des gens qui ne parlent pas de faire. Et ça sort quoi en termes de conseils qu'on a prodigué pour finir? Chaque fois que j'ai un couple, on dit une femme avec un garçon qui a boumé, il n'y aurait pas qu'à faire des gens. Ça fait un an. Il a fait bagarre sans capote. Recommander ou suspendre nos machines. Ou suspendre faire mon parti à la balle prendre service, c'est-à-dire que le service est disponible en qualité en Haïti. Ou suspendre commander des bagarres qu'on a produit en Haïti. Faut nous capables de produire en Haïti pour payer à changer. Pour tout dollar qui a baissé. Ce qui veut dire, bien entendu, d'autres mondes qui ont peut-être un rôle pour jouer, pour aider nous tout. Pour faciliter nos attaches, nous parlons de ceux qui dirigent le pays. Ça, c'est notre chapitre. Pour créer conditions, pour sortir au fait.